Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée, bienvenue dans cette émission qui est là pour vraiment vous aider à prier. On est là pour prier avec vous, pour prier pour vous et on est reconnaissant au Seigneur pour tous les témoignages qui nous parviennent. N'hésitez pas à témoigner, souvent les gens viennent me témoigner dans des conférences. J'étais dans une conférence encore il y a quelques jours et quelqu'un m'a dit que son fiancé a été sauvé à travers Prière Inspirée. Alors gloire à Dieu pour tous ces témoignages que vous pouvez m'apporter dans les différentes conférences où je vais. Mais on aimerait aussi les recevoir. Alors prenez le temps, peut-être une minute, juste à écrire. Vous pouvez envoyer un petit mail rapidement, prière@emcitv.com. Et l'adresse va s'afficher à la fin de l'émission. Vous pouvez simplement nous dire voilà ce que le Seigneur a fait pour vous. Ça peut être en quelques mots, pas besoin de faire un long témoignage, mais simplement ça va nous encourager plusieurs personnes qui peut-être sont passées par les mêmes circonstances que vous à faire confiance en Dieu. On est dans cette troisième journée avec notre invité, le pasteur Douglas Kiongeka de Paris. Ouais. Merci à toi d'être avec nous. Merci à vous aussi. Et aujourd'hui, tu nous as donné ce titre, « Le processus pour devenir un chef-d'œuvre ». Alors, c'est grand et c'est parfois long. Il y a tout un processus, tout un processus pour devenir un chef-d'œuvre. Et je lisais à l'instant dans Psaume au chapitre 119, au verset 67, le psalmiste dit « Avant d'avoir été humilié, et ça on parlera demain aussi de ce tour de transformation, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Et encore au verset un peu plus loin, au verset 71, « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes prescriptions. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont façonné, elles m'ont affermi. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. » Et un peu plus loin, il dira, « Ta loi fait mes délices. » Et je voudrais que ce soit vraiment votre cas et que ce soit notre cas à tous, que la loi de Dieu fasse notre délice. Ne pas pouvoir passer une seule journée sans avoir une parole de Dieu, sans pouvoir écouter, lire la parole, que la parole de Dieu soit réellement cette lumière sur votre sentier. Oui, avant d'être humilié, il s'égarait, mais maintenant qu'il a été humilié, il connaît le bon chemin. Et avec toi, pasteur, aujourd'hui, on va parler entre autres de la volonté de Dieu, comment la connaître et faire la volonté de Dieu, comment ce processus, le travail de Dieu en nous. Alors Dieu nous prend de l'état brut et il nous amène jusqu'à une complète, parfaite finition. Parfaite finition. Vous allez voir avec moi que lorsque l'argile, par exemple, est extraite, cette argile, au fait, est sale. Cette argile contient en elle beaucoup de cailloux, des pierres, des saletés. Et Dieu ne peut jamais utiliser quelque chose de sale. Dieu n'utilise jamais quelque chose de vil. D'ailleurs, il dit à Jérémie, si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, alors tu seras ma bouche. Donc il y a toujours un travail, un processus que Dieu déclenche à partir du moment où tu t'abandonnes entre ses mains. Donc Dieu ne peut pas travailler tant que tu ne t'abandonnes pas. C'est pour ça que j'invite vraiment les personnes à pouvoir s'abandonner, se laisser entre ses mains. Comme Paul pouvait le dire, hein, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc quand Dieu te prend, il te prend en l'état brut. C'est-à-dire, tu es informé vite, tu as beaucoup de défauts, tu as beaucoup de tares, tu as beaucoup de manquements. Et lui, maintenant, il va commencer un travail de fond. Et je me suis posé la question à savoir, mais comment est-ce que Dieu commence à travailler? Et j'ai compris que le travail dans la vie, ou je dirais au niveau de l'argile, se fait dans la maison du potier et entre les mains du potier. Donc, tu dois être d'abord dans la maison du potier, notamment dans l'église, entre autres, dans l'environnement où Dieu travaille. C'est pourquoi j'aimerais inviter toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui qui, pour X ou Y raison, sont restées à la maison, ne veulent plus rejoindre une assemblée locale, à pouvoir rejoindre une assemblée locale parce que Dieu travaille toujours dans un environnement où la parole de Dieu est annoncée, vous l'avez lu d'ailleurs tout à l'heure, où l'enseignement est donné, l'Esprit de Dieu est en action et c'est à partir de ce moment qu'un travail va commencer. Dans l'invisible, personne ne le voit, mais ce travail a déjà débuté. Mmh. Donc, dans la maison du potier, mais pas seulement dans la maison du potier, parce qu'il y a des gens qui sont dans l'église, dans cet environnement, mais ne se laissent pas entre les mains du potier.
Il y a des personnes qui viennent à l'église, mais qui sortent telles qu'elles sont entrées. Pas de changement. Pourquoi? C'est la même parole qu'on entend, qui change les uns et qui ne change pas les autres. Pourquoi? Tout simplement parce que certains acceptent de s'abandonner entre les mains du potier, d'autres refusent ou résistent encore. Donc si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, car c'est le temps où Dieu veut maintenant commencer un travail. Et là maintenant, il va nous aider à comprendre en fait quelle est sa volonté. Je me suis posé la question, mais quelle est la volonté de Dieu? Beaucoup de gens, des fois, nous posent la question, « Pasteur, quel est mon appel? Quel est mon ministère? » On rencontre, je pense que c'est autant pour vous. Je me reste ici, je me reste là. Mais là, en fait, j'ai compris que la volonté de Dieu est simple. Elle est vraiment simple. Ce n'est même pas dans tant ce qu'on cherche à faire, mais c'est ce qu'on doit chercher à être. Parce que tout commence dans l'être, avant d'avoir ou de faire. Beaucoup veulent faire sans devenir. Or, les mains du potier veulent d'abord façonner l'être que nous sommes avant de nous donner certains atouts, certains dons, certains talents, voire même le ministère pour le servir. Donc ça ne sert à rien de vouloir servir alors qu'on n'est pas transformé, alors qu'on n'est pas, on ne s'est pas abandonné entre ses mains. Et c'est là que le Seigneur m'a ramené dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4, où il dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc la première chose, c'est que Dieu veut, c'est ton salut. Et le salut, en fait, c'est un mot assez vaste. C'est pas seulement donner sa vie à Jésus. Tu es de quelle nationalité? Je suis d'origine congolaise, mais je suis français. Je sais qu'il y a des gens d'origine congolaise aujourd'hui qui doivent être sauvés, oui, qui t'écoutent et qui doivent être sauvés. Vous êtes d'origine congolaise, oui, habitant là-bas ou pas. Le Seigneur est en train de vous parler et c'est aujourd'hui pour vous le jour du salut. Amen. Il faut arrêter de faire semblant d'être un chrétien, mais recevoir vraiment Jésus-Christ comme votre Seigneur. Amen. Réellement. Pas seulement celui qui vous sauve ou qui vous fait du bien, mais celui qui va être votre Seigneur et diriger votre vie. Amen. Et comme je l'ai dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est aujourd'hui le jour du salut pour vous qui écoutez cette parole. Amen. Amen. Je suis coupé, mais... Amen, amen. C'était le moment. C'est très important ce que vous venez d'ajouter, parce que nous avons beaucoup de personnes qui se disent enfants de Dieu, mais quand vous regardez leur vie, Christ est peut-être leur sauveur, mais il n'est pas leur Seigneur. Et voilà pourquoi beaucoup de choses tournent en rond. Et on parlera de ça certainement demain. Comment est-ce que Dieu continue dans le processus de son travail? Mais faut-il déjà se rassurer qu'on est sauvé, qu'on a reçu Jésus? Le salut, c'est la délivrance, c'est être libéré. Voire même des blessures. Beaucoup traînent encore des blessures. Beaucoup traînent encore des déceptions. Ils ont besoin d'être guéris de toutes ces choses. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, mais aussi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc dans le salut, il y a aussi cette guérison-là. Et à partir du moment où tu as été guéri, là maintenant, un travail peut commencer. Donc, tu es sauvé, tu es guéri, tu es délivré du monde, du péché, de la pornographie, parce que beaucoup de personnes viennent dans les églises, mais sont esclaves du péché, esclaves de la masturbation, esclaves de toutes sortes de débauches. Alors que la volonté de Dieu, ce n'est pas d'abord de les servir, c'est d'être comme lui. Tel il est, tel il veut que nous puissions être. Et plus loin dans 1 Thessaloniciens 4, 3, il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et quand on parle de la sanctification, c'est le fait d'être mis à part pour Dieu, être consacré pour Dieu. Et c'est là que j'ai compris par la suite que lorsque le potier, de manière naturelle, prend l'argile, avant de commencer le processus de transformation, le potier va prendre de l'eau. Il va l'injecter dans l'argile pour, premièrement, tamiser, enlever les pierres, les saletés, et rendre l'argile propre. C'est ça le travail de sanctification, où tu sépares ce qui est mauvais de ce qui est bon. Et ça, c'est le travail que chacun de nous doit faire. En entendant la parole de Dieu, tu dois prendre des décisions. Tu avais un petit copain, vous vivez dans la débauche, dans la fornication, tu dois arrêter pour adopter une nouvelle vie. Parce que Dieu ne se mélange pas. Le divin potier ne peut pas travailler avec une argile qui est sale. Il commence d'abord à injecter de l'eau, à imbiber l'argile de l'eau. Et c'est là que ça me ramène à quelque chose, à un passage très fondamental dans les Écritures que je vous invite à prendre. C'est dans le livre de Ézéchiel au chapitre 36, parce qu'on parle de ce processus. Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 25, où il dit, premièrement,
Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Amen. Donc, Dieu, un bibelot en tant que divin potier, c'est-à-dire cette eau ici représente la parole de Dieu. Comme le Seigneur l'a dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Cette parole qui nous lave afin de nous présenter comme cette église glorieuse, sainte, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc ça n'a rien à voir avec l'eau naturelle. Il est question de l'eau de la parole. Cette parole qu'on doit à aimer, écouter, s'attacher. Et elle a la vertu de nous laver, de nous purifier, notre homme intérieur. Et le changement, d'ailleurs, pasteur Jérémie, ne commence jamais de l'extérieur. Beaucoup de personnes veulent changer beaucoup de choses, mais partant de l'extérieur, et ça ne marchera jamais. Vous pouvez laver un cochon, mais le jour où le cochon verra la boue, il retournera à la boue. Dieu ne vient pas nous améliorer dans la nature, il vient changer notre nature. Amen. Nous étions comme des cochons, on aimait la boue, mais il fait de nous des aigles. C'est-à-dire, on ne peut plus être dans une dimension de bassesse, voler à la basse cour, mais on est dans la cour haute. Donc, il y a un changement radical. Donc, ce processus commence par un changement radical. Et ce changement, c'est le résultat déjà de l'eau que nous recevons, de la parole que nous entendons. Et beaucoup de personnes ont été changées à cause de la parole. La femme samaritaine a dit, venez écouter un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Il y a eu un changement radical parce qu'elle a entendu la parole. Beaucoup de religieux ne changent pas. Pourquoi? Parce que la parole ne pénètre pas dans leur cœur. Jésus disait, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et alors que l'intérieur est rempli de saleté, d'impureté. Il dit, nettoyez d'abord l'intérieur, ensuite l'extérieur deviendra net. Donc le processus de Dieu ne commence jamais à l'extérieur. Ne cherche pas à paraître, mais cherche à être. Être comme qui? Être comme Dieu. Parce que tous ceux qui sont comme Dieu vont forcément briller comme il brille. Donc pourquoi chercher à briller alors que le changement n'a pas commencé de l'intérieur? C'est pourquoi il dit, je répandrai une eau pure et vous serez purifiés de toutes vos souillures. Et puis il dit au verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair là où je mettrai mon esprit. Donc, deuxième processus, Dieu vient ôter, enlever le cœur de pierre. Cela veut dire que à partir du péché d'Adam et Ève, nous avons été corrompus. Dieu dit qu'il a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Maintenant, comment cet homme droit peut-il revenir sur la... corrompu, tordu, peut-il revenir sur le droit chemin? Ce n'est qu'avec un changement de cœur. Tu ne peux pas être transformé si à l'intérieur, il n'y a pas un changement. On parle du cœur, on voit l'homme intérieur. On voit ce que tu es de l'intérieur. Et c'est ça même le but de l'évangile. C'est d'abord de nous toucher. Paul dit, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit, qui change d'abord le cœur. Et il dit, je veux ôter, je veux enlever. Donc il y a comme une chirurgie, pasteur, qui s'opère le jour où nous recevons Jésus, qui est la parole de Dieu. C'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas aller plus loin dans les eaux profondes, dans le royaume, si tu n'es pas entré. Donc la première étape, tu dois entrer. Et une fois que tu entres, Dieu change ton cœur. Il enlève le mauvais cœur, le cœur de l'homme qui est tortueux, qui est méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Lui seul qui l'éprouve, il enlève. Il ne fait pas une amélioration du cœur, il fait une chirurgie. Comment je peux dire? Une chirurgie. Et c'est pour ça même, Dieu a demandé à notre père Abraham de se circoncire. Parce que la circoncision d'Abraham, pour rentrer dans les promesses de Dieu, préfigurait au fait la nouvelle naissance, un changement de cœur. Vous ne pouvez pas vivre les promesses de Dieu avec votre cœur tordu. Donc c'est pour ça que j'invite toutes les personnes qui nous suivent à changer véritablement de cœur. C'est-à-dire la circoncision implique qu'on doit enlever quelque chose, le prépuce doit être coupé, pour ensuite adopter une nouvelle vie. Et il dit, je vous donnerai ensuite un cœur nouveau. Et c'est dans ce cœur nouveau qu'il va mettre son esprit. Donc, il veut faire de toi une nouvelle personne. Et là, toujours en méditant sur ce thème, je me suis rendu compte que Dieu a dit à Jérémie quelque chose dans Jérémie 1:10. Il dit, je t'établis sur les preuves, sur les nations, pour que, un, tu rages, tu ruines, tu abattes, tu détruises, ensuite que tu plantes et que tu bâtisses. Donc, il y a plus d'action de destruction dans nos cœurs que
des actions constructives. Pourquoi? Parce qu'il est difficile de changer quelqu'un. D'ailleurs, aucun homme ne peut changer quelqu'un. Seul Dieu, par la puissance de ta parole, peut changer. Et il dit, tu dois changer. Le monde doit quitter ta vie. Combien viennent au Seigneur? Mais ils partagent Dieu et la vie du monde. Combien viennent au Seigneur? Soutraînent avec eux des traditions anciennes, des coutumes, voire même des pratiques occultes. Mm-hmm. Combien de personnes mélangent leur spiritualité avec le monde? Dieu n'est pas dans le mélange. Et Dieu n'agira jamais là où il y a le mélange. Pour que Dieu agisse, il faut que tu te sanctifies. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voilà un peu comment Dieu travaille. Et une fois que tu laisses Dieu travailler ton cœur, et j'aimerais parler aux jeunes, Dieu doit arracher les choses. Ton langage doit changer. Amen. Ton comportement, ton caractère doit changer pour avoir le caractère de Christ. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, mes enfants pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Nous devons avoir le caractère de Christ, avoir en nous les empreintes du Seigneur, la marque de Dieu, la marque déposée du Seigneur en nous. Et là, c'est le caractère de Christ qui vit en nous, le fruit de l'Esprit. Pas les dons. Les dons viennent après. Mais si tu as les dons et que tu n'as pas le fruit du Saint-Esprit, ça sera terrible. Donc, l'essentiel pour Dieu, c'est sa nature d'abord, qui doit être, nous devons devenir participants de la nature divine avant de recevoir le reste. Et ensuite, tu dois changer aussi ton apparence. Il y en a qui disent, mais oui, Dieu voit seulement le cœur, mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mm. C'est du cœur que viennent les mauvaises choses. Donc, quand il y a mal quelque part, le Seigneur ne va jamais à la surface. Le Seigneur va toujours à la source, à la racine. Et le changement doit commencer là. Dire à Dieu, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains, je te donne mon cœur, change-moi et accepte de changer. Si tu étais en colère contre quelqu'un, tu pardonnes. Si tu avais de l'amertume, tu abandonnes tes choses. Tu commences à vivre la vie de Dieu. Et c'est ainsi que tu rentreras dans la troisième partie, la quatrième partie, où Dieu va maintenant accélérer le processus pour faire de toi un chef-d'œuvre. Tu ne peux pas devenir un chef-d'œuvre de Dieu en ayant une vie sale, impossible. C'est pour ça que l'argile doit être purifiée par l'eau. Et il doit avoir un changement de l'intérieur vers l'extérieur et non l'inverse. C'est ainsi que l'œuvre de Dieu sera accomplie. Amen, merci. Amen. C'est un enseignement très riche et tu as parlé de bien des choses. Une chose, Marquis, tu as parlé de l'église locale et encourager les frères et les sœurs ou les personnes à rejoindre une église locale. Et je voulais remercier le Seigneur pour le ministère pastoral. Quelle grâce d'avoir des pasteurs et des fois dans des églises moins grandes ou peut-être plus grande, mais avec la possibilité d'être en contact avec un pasteur. Quelle grâce d'avoir un homme qui, avec l'aide de Dieu, nous forme. C'est vrai, c'est Dieu qui nous forme, mais il passe aussi à travers ses serviteurs pour nous montrer l'exemple. On peut voir à travers toutes les Écritures que Dieu agit toujours ainsi. Les disciples avec Jésus, etc. Timothée, Paul, on pourrait parler d'Élie, Élisée, toutes sortes d'hommes qui ont été formés par Dieu, mais à travers un homme. Et je voudrais vous encourager, en particulier les jeunes gens encore, à remercier Dieu et à remercier Dieu pour votre pasteur, mais aussi à ne pas mépriser ce pasteur, à ne pas mépriser l'autorité pastorale et à vous laisser éduquer, à vous laisser instruire. La Bible dit, jeunes gens, soumettez-vous aux anciens. Et c'est une chose qu'on va devoir comprendre et qu'on va devoir réussir à recevoir, la soumission dans notre cœur, l'humilité. Plusieurs personnes, vous écoutez cette émission, vous êtes jeunes et tu as parlé de la différence entre les dons et les fruits, c'est tellement vrai. Vous avez envie des dons, vous avez envie de voir des miracles, vous avez envie de voir le réveil, le monde être sauvé à travers vous. Et gloire à Dieu pour ça, mais ce que Dieu va regarder d'abord, c'est le fruit de votre caractère. Si vous êtes patient, et l'amour est patient, si vous marchez vraiment dans l'amour ou si vous êtes constamment en train de critiquer, d'avoir un jugement porté sur les autres, sur le pasteur, sur telle personne qui commence à prêcher, est-ce que c'est ça votre cœur? Ou est-ce que c'est le cœur de Jésus? Alors oui, vous pouvez remercier là où vous êtes dans ce temps de prière. Commencez à remercier le Seigneur pour votre pasteur. Et si vous n'en avez pas, ben, demandez au Seigneur, vraiment dirige-moi dans une église locale. N'attendez pas d'avoir un songe ou une vision, un rêve, une révélation, la visitation d'un ange. Mais simplement, commencez à regarder autour de vous. Quelles sont les églises dans lesquelles vous pourrez aller? Je crois que le Seigneur, maintenant, lorsque vous allez aller, vous allez recevoir une approbation, vous allez sentir, c'est la bonne place. Pas avec vos raisonnements, en choisissant l'endroit
où vous pourrez servir forcément. Non, non, l'endroit que le Seigneur veut. Ce n'est pas avec la tête qu'on choisit une église locale, c'est avec notre cœur. Alléluia, merci. Alléluia. Merci Seigneur pour ce ministère merci. Pastoral. Merci. Merci pour les personnes qui sont autour de mes amis, qui sont là aussi pour les aider, pour les former, pour les instruire. Ta parole déclare, honore ton père et ta mère, tu vivras vieux. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Et le Seigneur vous appelle aussi en tant que jeune à honorer vos parents dans une attitude d'humilité. Si c'est difficile pour vous, vous pouvez dans ce temps de prière lui dire, Seigneur, aide-moi à honorer mes parents, ce qu'il me reste de mes parents. Aide-moi à honorer mes autorités spirituelles. Aide-moi à honorer les anciens dans l'Église. Aide-moi à honorer ceux qui sont plus avancés que moi dans la foi. Aide-moi, Seigneur, à marcher dans l'honneur, à garder un cœur qui est humble. Oh Seigneur, je veux être humble, je veux marcher dans une humilité profonde. Viens construire en moi cette humilité, ce cœur humble. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, mais Seigneur, maintenant que tu m'as humilié, alors que je marche aussi dans cette humilité, je vais connaître ta volonté. Je vais connaître ta volonté. Le pasteur a également parlé de ce passage qui nous dit que notre corps doit être présenté devant Dieu comme un sacrifice. Et tu es là, tu écoutes, et ton corps n'est pas comme un sacrifice pour Dieu, mais tu vis dans le péché. Il a parlé de, entre autres, citer la pornographie, etc. Et ces choses-là, tu peux demander au Seigneur, mais Seigneur, libère-moi-en, parce que tu regardes à ce qui est à ce qui est visible, mais le Seigneur te dit maintenant, c'est à l'intérieur, dans ton cœur. C'est pas qu'il faut enlever la télé, c'est pas... Non, non, c'est qu'il faut enlever dans ton cœur cet amour pour ces choses. Il faut renoncer dans ton cœur à cette chose. Il faut renoncer à ton orgueil, renoncer à ta chair. Et moi, j'agirai, dit le Seigneur. J'agirai, je te formerai, je te remplirai. Tu deviendras un vase inébranlable. Alléluia, merveilleux Jésus-Christ. Que tu équipes, que tu bâtis. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais. Et particulièrement, tu m'as mis à cœur la jeunesse. Ces jeunes gens qui vont écouter, qui regardent ces émissions, qui sont en train de prier maintenant et qui sont dans un temps particulier. Merci pour l'instruction, merci pour des cœurs humbles, pour des cœurs doux, pour des cœurs patients, persévérants à faire le bien. Pour la fidélité éprouvée. Oui, je prie pour une fidélité éprouvée. Qui ne soit pas comme beaucoup de jeunes qui disent « Moi, je m'investis dans ce service et un mois après, on ne les voit plus comme si Dieu avait changé d'avis. » Mais que ce soit des frères, des sœurs qui soient fidèles. Tu le dis dans ta parole. Si on est infidèle dans les petites choses, comment on pourra nous en confier des grandes? Si on est infidèle dans ce que les biens d'autrui, comment tu pourras nous donner? Oui, mais Père, tu dis aussi, celui qui est fidèle dans les petites choses, tu lui en confieras des grandes. Père, je prie pour cette fidélité dans le cœur de ces jeunes gens, de ces adultes, de ces gens qui ont vieilli également et qui ont besoin de fidélité. Merveilleux Jésus-Christ, oui, tu as dit, je vous donnerai un cœur nouveau, un cœur de chair. Merci pour la nouvelle naissance. Merci pour ton esprit en nous qui nous rend capables. Capable de t'obéir, capable de vivre pour toi, capable d'être saint. Tu as dit, ce que je veux, c'est votre sanctification. Et Seigneur dit à quelqu'un aujourd'hui, tu as prié pour connaître la volonté de Dieu et voilà ma volonté. C'est la sanctification. Oui Seigneur, montre à ton peuple, illumine les yeux des cœurs pour qu'ils puissent réaliser que ça se passe d'abord à l'intérieur. Libère quelqu'un du monde, l'esprit du monde. Libère quelqu'un, Seigneur, des traditions. Amen. Libère quelqu'un, Seigneur, mon Dieu, de l'occultisme. Oui. Libère quelqu'un, Seigneur, des liens de ce monde. Mm. Libère quelqu'un, oh Dieu, qui se retrouve enfermé, emprisonné dans les carcans, Seigneur, mon Dieu, Père, de la déception. Libère quelqu'un des blessures. Libère un homme et une femme qui a perdu la confiance en soi. Qui a perdu son identité, à savoir que tu es là, au cœur de notre vie, et c'est toi qui nous fais vivre, à s'abandonner entièrement entre tes mains. Libère, Seigneur, libère, mon Dieu, libère. Merci, un peuple nouveau s'élève, un peuple ayant un cœur nouveau, un peuple assoiffé de Dieu, un peuple
prêt à accomplir ta parole. Alléluia. Un peuple transformé. Oh, un peuple changé. Un peuple disposé. Un peuple ayant le cœur bien disposé. Oh, et les rebelles viennent à la sagesse de juste. Oh, que ceux qui étaient carrés, garés reviennent sur le droit chemin. Que ceux qui étaient perdus, Seigneur, soient retrouvés. Que ceux qui étaient courbés soient redressés, Seigneur. Oh oui, que ceux qui étaient tombés soient relevés, mon Dieu. Alléluia, oui. Ceux qui étaient, qui avaient échoué, mon Dieu, réussissent. Entre les mains du divin potier, te faisons confiance. Te faisons confiance. Oh, relève un jeune. Relève un homme et une femme. Quelqu'un qui a cessé de croire. Seigneur, donne-lui de croire à nouveau. Donne à quelqu'un de croire à nouveau que c'est possible avec le Dieu de la résurrection, avec le Dieu qui est capable de tout. Le Dieu qui est capable de tout. Fais-le, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Entre les mains du divin potier, rien ne peut échouer. L'œuvre, tu commences, tu l'achèves toujours. Et celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Et tu feras de chacun de nous un chef-d'œuvre de Dieu. Un chef-d'œuvre de Dieu. Alléluia. L'ouvrage. Merci. Pour les bonnes œuvres. Oui, Seigneur, nous sommes ton ouvrage. Alléluia. Et tu déclares que celui qui se purifie sera un vase d'honneur. Oh oui, Seigneur. Vase. Merci pour les vases qui se purifient cette pour semaine. Vase d'honneur. Alléluia. Oui, Dieu t'appelle à être un vase d'honneur. Et il y a des choses dont tu dois te débarrasser dans ta maison. Le pasteur a parlé des choses liées à l'occultisme et j'ai vu, comme vous savez, il y a des coussins et des fois dans les quatre coins du coussin, il y a comme des ficelles comme ça avec un nœud. Il y a une personne, si vous avez ça à la maison, c'est comme quelque chose d'occulte. Débarrassez-vous-en tout de suite. Si vous avez dans votre maison des choses liées à l'occultisme, maintenant vous les jetez, vous vous en débarrassez. Si vous avez des choses liées à la pornographie, etc., vous vous en débarrassez. La drogue, certaines personnes, vous avez de l'herbe à la maison, de la drogue, peut-être même des cigarettes, des choses comme ça. Vous vous en débarrassez. Débarrassez-vous de tout ce qui pourrait vous empêcher d'avancer. Le Seigneur est en train de vous former. Ce que je veux, dit Dieu, c'est votre sanctification. Que la puissance de Dieu soit sur vous. Demain, on va parler de ce tour de transformation. Alléluia. Et le Seigneur va continuer son œuvre. À demain dans Prière inspirée.